Donc dans cette vidéo maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la méthode scientifique en astronomie. Parce que ce qu'il est important de réaliser, c'est que les sciences en général, c'est pas simplement une encyclopédie, mais c'est davantage une méthode, euh, donc plutôt qu'une qu sorte de collection de, de tous les savoirs. Donc c'est pas simplement une encyclopédie, et ce qui est très très important, et encore plus finalement dans l'astronomie, c'est l'importance de l'observation l'importance de l'observation. Parce que dans beaucoup de sciences, lorsqu'on s'imagine un scientifique, par exemple, on peut l'imaginer dans son laboratoire un peu comme un chimiste ou même un, un physicien qui fait des expériences pour essayer de tester différentes choses. Mais en astronomie finalement ça pose problème. Parce que lorsque l'on étudie des étoiles ou des planètes, etc., et bien évidemment, on ne peut pas les étudier dans un laboratoire. On ne peut que les observer. Et donc, on n'est pas aussi libre que dans les autres sciences de faire nos, nos expériences, nos expérimentations. C'est pour ça que généralement, on dit que l'astronomie, c'est une, une science basée sur l'observation. Et de cette observation, en fait, le but, c'est de faire des modèles. Donc des modèles scientifique pour expliquer ce que l'on voit et essayer de mieux comprendre comment les choses fonctionnent, comment les phénomènes, donc les phénomènes c'est ce qu'on observe, comment ces choses-là euh, interagissent en, entre elles. Et donc ça on l'observera on l'étudiera plus tard, mais juste pour donner deux modèles un peu. On va on pourrait considérer par exemple le modèle de Ptolémée. Donc Ptolémée c'est un, un scientifique dans l'Antiquité. Donc c'est au 2 siècle à peu près. Et ça, c'était le premier modèle du système solaire. Et donc, c'est un modèle géocentrique. Donc, géocentrique, géo, c'est la Terre. Et ça veut dire que c'est la Terre qui est au centre du système. Donc, vous voyez, ici, c'est la Terre. Et selon le modèle de Ptolémée, qui est aussi le modèle d'Aristote, eh bien, les planètes, dont le Soleil, tournent. Le, le, le Soleil, qui n'est évidemment pas une planète, mais tout tourne autour de la Terre. La Terre est au centre du système, et même de l'univers, puisque à l'époque, euh, l'univers se... est considéré un peu comme le système solaire. Donc on a fait d'autres observations depuis, et par exemple, Tycho Brahe, qui est un scientifique de la Renaissance, donc qui se situe plus au XVIIe siècle XVIIe siècle, lui, sur. Euh, lui, son modèle, qui est notre modèle actuel, c'est de placer le Soleil au centre du système, et donc nous, on tourne autour du Soleil. Et vous voyez, c'est simplement au fur et à mesure d'observation, de réflexion, etc., qu'on arrive à passer d'un modèle à un autre. Et ça, on verra un peu plus tard aussi, y a la, la philosophie des sciences, c'est un sujet qui, qui l'intéresse assez, et par exemple, un philosophe comme Kuhn dira qu'on est obligé de passer par des révolutions scientifiques pour passer d'un modèle à un autre. Mais donc vous voyez, c'est assez intéressant de constater que simplement par l'observation, on est capable d'avoir une vision complètement différente de l'univers, avec pour Ptolémée la Terre qui se situe au centre, et pour Tycho Brahe et ceux qui le suivent, le Soleil donc qui se situe au centre. Donc tout ça, ça nous montre bien que ce qui est important en science, c'est de faire des observations, et à partir de ces observations, de faire ce qu'on appelle des hypothèses, c'est-à-dire des tentatives d'explication, pour essayer de comprendre euh, ce que l'on observe et l'expliquer. Et donc, comme en astronomie, ces hypothèses, on ne peut pas les faire à partir d'expériences, puisqu'on ne peut pas euh, modifier donc, les étoiles, etc., on est obligé de se placer un peu comme une sorte de, de détective. Donc, un détective, c'est un peu le scientifique, l'astronome, euh, détective, qui se situe sur une scène de crime et qui ne peut pas euh, interagir avec la scène. Parce que forcément, s'il si, si interagit avec la scène, avec le, la scène de crime, il la modifie. Et vous voyez, l'astronome, c'est un peu ça, c'est-à-dire, il observe des phénomènes, il ne peut pas y toucher, et de ces phénomènes, il doit en tirer des indices, donc des indices, vous voyez, c'est un peu les hypothèses, des indices, pour mieux comprendre euh, ce, ce dont il s'agit. Et donc, au fur et à mesure, on accumule des, des indices, on accumule des hypothèses, et on construit des modèles, comme par exemple le modèle euh, de Tycho Brahe, ou le modèle de Ptolémée. Plus le modèle correspond à ce que l'on observe, plus on a de chances que notre modèle soit, soit valide, soit valable. Alors, cependant, ça peut poser quelques problèmes, parce que c'est pas pour autant euh, qu'on a beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'observations, beaucoup d'indices d'une certaine manière, que notre modèle est vrai. Par exemple, on pourrait considérer un scientifique qui se situe sur une île. Donc, par exemple, on peut imaginer une petite île avec des moutons sur cette île. Et il se trouve que tous les moutons sur cette île sont blancs, ce qui paraît assez commun. Mais cependant, est-ce que le scientifique, en observant que sur son île, tous les moutons sont blancs, doit en conclure que forcément tous les moutons qui existent sont blancs Non, pas forcément parce qu'en fait, euh, il se peut que sur une autre île, il y ait des moutons qui soient noirs. Et donc, le scientifique, son modèle il n'est euh, valide, que pour autant qu'il fait des observations euh, générales. Vous voyez, si une observation se limite à un certain endroit, à un certain environnement, finalement, il n'a pas la totalité des indices, un peu comme un détective, finalement, qui n'observerait que la moitié d'une pièce, eh bien, il n'a pas toute l'histoire. Et donc, c'est ça un peu le risque en science, c'est de faire des, des généralités de ce qui ne sont que des cas particuliers. Donc, il faut bien faire attention, lorsqu'on construit un modèle, de ne pas faire un modèle euh, qui soit trop restreint, et à l'inverse, aussi, de ne pas faire un modèle qui soit trop général, parce qu'à ce moment-là, finalement, on ne dit rien d'intéressant, si ce ne sont que des généralités. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse, en quelque sorte, un peu plus sur la science en général et la méthode, pour voir comment est-ce que ça s'articule avec, euh, avec l'astronomie. Donc, euh, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, et on continue la série, donc, sur l'astronomie dans la prochaine vidéo.